Bonjour à toutes et à tous, c'est le gamer et la gameuse. Et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Super Mario Sunshine. Je vais arriver à le dire, c'est sûr, hein. Et donc on se retrouve au Mont Corona, qui est ici. Je peux placer un mot? Oui. Moi je suis pas si sûr. Très bien. Très bien. J'ai des mots. Très bien. Mon intelligence. Donc le Mont Corona, nouvelle île, la source chaude au pied de la montagne de l'île Delfino est parfaite pour se détendre, mais les grottes de lave sont interdites au public. Tu vois qu'il fait pas assez chaud? Est-ce qu'il apparaît là du coup le Mont Corona? Pas du tout. Très bien. Hein? Tu crois qu'il fait pas assez chaud pour aller au Mont Corona? Eh, la preuve que non. Fais voir si le truc faux. Pas du tout. Très bien. Bon, ben les amis, c'est parti. On va... Ben oui, c'est parti. C'est parti pour la mort de l'entrée de la grotte. C'est excellent tout ça. Je sens qu'on va en chier. Ouais. Alors normalement il y en a 10 ici, des pièces bleues. Moins de temps. On a beaucoup de temps. On va essayer d'économiser. Enfin, on va essayer d'économiser l'eau. Parce que de l'eau ici, comme vous le voyez, il n'y en a pas beaucoup. Et des pièces bleues, il y en a 10. Là. J'espère qu'ils nous donnent de l'eau quand même, parce que bon, ça nous a plu. Je vais voir s'il n'y a pas d'épaisse bleue quelque part ici. Ah, ça se rallume. Ah, l'enfoiré, d'accord. Je sens que j'ai beaucoup mourir ici. Heureusement qu'il y a des vies ici quand même. Et je me fais one shot ici. Poids du corps. Poids du corps. Eh ben on n'est pas sorti les gars. N'importe où on va, on est one shot. Hein. Donne, t'as une vie d'entrée. Bon, rien. Mais donne, t'as une vie d'entrée. Ok. Oh mon dieu. Allume l'eau. Ah. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu. On va récupérer la vie avant de mourir quand même. Et la vie t'a redonné tous ces trucs. C'est vrai? Oui. Ah cool. Et j'ai reperdu comme un débile. Ça tu peux le dire. Et tu vas mourir. Là j'ai eu chaud. J'avoue, là. Thank you.
Ah, t'as de l'eau là-bas. Heureusement. Très bien. Déjà, je suis fier de toi. Ah putain, même quand je touche un mur, je meurs d'un coup. Mettez un checkpoint. Putain, mais même comme ça, je meurs d'un coup, mais c'est incroyable. Déjà, tu sais que tu peux utiliser l'eau que tu veux. Il y en a. Désolé si je parle pas beaucoup, mais je me concentre. Wow, 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 wow. Ah purée, mais... Ah, ça a duré plus de 20 minutes. Ah mais crève, ça prendra. Bon, allez. Ah purée, mais c'est pas possible. Rien que de voir tout ce feu, j'ai chaud là. Ok. Bon, déjà cette étape, on y arrive facilement. C'est l'étape du bateau. Oh, stop, 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 stop. Qu'est-ce qu'il m'a fait là?
Ah purée! Putain, mais il est chiant ce bateau! Voilà, cette étape qu'on a du mal. Ah, même la vie elle donne de l'eau. Ah ben cool. Bon, voilà, on y va doucement. Faut pas y aller comme bourré. Et pourquoi? Je viens de voir toutes les pièces bleues. Et tu vas galérer ta mère. Enculé. Mais pourquoi il va là-bas? Mais putain, mais il est chiant. Tourne. Ah, la vapeur donne de l'eau, ben oui, logique. Ok, là c'est récupéré. Vraiment garder son sang-froid. Mais... Putain. On a combien de pièces bleues là, à ce niveau là? Oui, mais on en a eu combien? Deux. C'est tout? Oui. Il manque 7 et 7ème. Non, si on a récupéré 2, il en reste 8. Ah ouais, merde. J'ai pas compté. Faut que je retourne avec ma carte. Je dois aller avec le feu, là. Ok, on reprend le petit bateau. Putain, mais c'est pas possible! Putain, mais roule droit, quoi! J'en ai marre.
3. Donc on va compter 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il y en a 11. Non, 10. On va récupérer 3. 4, 5, 6, 7, 8 derrière. 9 celle-là et 10 là. C'est bon, ils sont tous là. Donc là, le problème, c'est qu'il faut les récupérer sans couler. Vous voyez, très doucement. Une après l'autre. Voilà. Ça suffit. Voilà. 4. C'est pas le bon sens. Putain. On va reculer un peu. J'aurais bien que tu tournes. Voilà. Encore un peu. Voilà, stop. Stop, stop, stop. Stop, stop. 5. Continue à arroser parce que je vais pas prendre le mur non plus. De là-bas, ouais. Ah ouais, oh, ils en furent. Mais du coup, si on prend les deux étoiles, par exemple, là la pièce bleue et là le truc de l'infini, tu auras l'étoile de la pièce bleue et l'étoile. Quoi? On peut pas avoir deux soleils. Pourquoi tu peux avoir deux soleils? Parce que là, tu fais les pièces de pièces bleues. Oui, mais... Si tu fais les niveaux, tu vas avoir deux soleils. La fin du niveau, tu as pièces bleues. Mais t'as... Non, les pièces bleues, il faut que tu les donnes au village de... Ah, au village. Les pièces bleues, il faut que tu les échanges contre des étoiles, mais... Ah, ok. Ah... Oui, comment ça s'appelle? Au village. Oui, c'est un village... Tu m'as compris quoi. Comme cela pour réfléchir. Non. Place Delfino. Place Delfino, voilà. Comme cela pour réfléchir, là j'ai un peu du mal. Je suis un peu la tête dans le feu. Et là on a 9. On gère. J'ai dit on gère, tu te calmes. Non, l'autre sens. Putain, mais pourquoi il va dans le sens contraire à chaque fois? Mais il casse les couilles. Voilà. Je demande qu'à faire un demi-tour. Voilà. Voilà, doucement. Mais sûrement. La caméra est chiante. Et la dernière qui est là-bas.
Voilà. Quand t'abuses. Mon dieu. On va regarder d'en haut, ce sera plus simple. Mon dieu. Ah, ça bouge! Putain. Bon, ça va déjà, ils sont... On va recommencer calmement. Je vais arrêter le chrono parce qu'on s'arrêtera après le boss, parce que vu comment ça tourne. Voilà. Tac. Donc là, ils viennent comme ça. Voilà. Là, comment ils font? Ok, je vois le truc. Ok. Ah putain, mais j'ai un temps. Oh là là, je sens que ça te casse-couille ça aussi. Ah purée. J'espère qu'ils m'ont fait un checkpoint là. Oh là 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 là. Eh oh, oh. C'est à vous là. Voilà, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Aïe 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 aïe. Ah mais purée, il me... Aïe, eh, oh, 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 oh. Il reste encore deux. Merde, il y avait une vie là-bas. Ok, go, 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 go. Ah mais purée. Putain! Ok, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Ok. Et il faut que je me prenne. Putain, mais c'est vraiment fort.
Eh, hey, c'est bon, on a compris là, allez, c'est bon. Je t'ai niqué que le premier truc. Andy. Ok, merci. Ah mais t'es sérieux là? Allez, allez. Voilà, faut juste lui faire croire qu'on va à gauche pour qu'il envoie le truc à gauche. Ah, c'est vrai que Bowser est un peu con. Alors, on fait croire qu'on va à gauche. Merde. C'est moi qui ai niqué. Et merde. Allez, 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 c'est la dernière chance. Oh, on a réussi. Yes. Félicitations, mon amour. Merci. On laisse apprécier la cinématique. Junior, I've got something difficult to tell you about Princess Peach. I know, she's not really my mama. Someday, when I'm bigger... I wanna fight that Mario again. That's my boy. Well put, son. The Royal Koopa line is as strong as ever. Now, let's just rest a while. The vacation starts now. Excellent. Bon, excuse-moi de, oui, de pas t'avoir répondu, parce qu'en fait, je voulais laisser la cinématique tranquillement pour qu'il la voie, mais je te remercie pour ton félicitation. T'es mignon. Bah, je le soutiens, c'est normal. Bah, bien sûr. Et voilà, Mario est content, il saute partout. Il saute sur tout ce qu'il voit. Et voilà, les amis, on arrive à la fin de Super Mario Sunshine. Mais ce n'est pas encore fini. Alors, pour ceux qui disent « Oui, le scénario est terminé, je m'en vais, je veux pas voir la suite du 100% », vous avez tort. Parce que j'ai vu que on a une fin secrète
si on obtient tous les soleils, donc les 120, en comptant les pièces bleues du coup, parce que les pièces bleues comptent dans les soleils, donc 120 soleils, et après les 120 soleils, il suffit de refaire le boss au Mont Corona pour avoir une nouvelle fin. Et pour ceux qui veulent voir la nouvelle fin, je sais pas si c'est une vraie fin ou pas, je sais pas du tout, je connais pas. Donc pour avoir une nouvelle fin, il faut rapporter les 120 soleils. Donc pour ceux qui intéressent, regardez les 120 soleils qu'on va récupérer pour la nouvelle fin. Et voilà. Et pour ceux qui voulaient juste que la première partie du scénario, et ben c'est terminé pour vous. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu quand même, parce que moi franchement ce jeu il m'éclate, même s'il est dur, il m'éclate. Et voilà, une petite cinématique toute mignonne. Fin. Ah mais tiens. Il piantissimo a trouvé la baguette magique. Et donc nous revoilà au menu titre. Voilà, avec ce beau petit score. Du coup, ils la mettent dans la place Delfino, l'étoile. Ok. Très bien. Très très bien. Bah du coup, le Mont Corona... Les inondations causées par les récents records de pluviométrie semblent toucher à leur fin et le niveau de l'eau est revenu à la normale. La porte du soleil est également de nouveau ouverte. Et voilà. Donc, et voir ça vite fait. Ah! J'imaginais qu'on pouvait le péter, mais en fait non. Que dalle! Bon, mais très bien. Voilà les amis, on va voir... Mais aussi, parce que du coup, on a ramené le soleil partout. Eh, pour avoir la classe, il te faut aussi une de mes magnifiques chemises. Allez, enfile ça. Ça alors. Ça fait des années que je n'ai pas vu quelqu'un jeter autant. Reviens me voir dès que tu n'auras plus besoin, ok? Eh, voilà. On a aussi la belle chemisette avec les lunettes. Donc là, on est paré pour l'été, ça y est. On va pouvoir faire bronzette. Voilà. Bon, je vais quand même rendre tout ça au monsieur, parce que bon... un peu sombre. Ça te va? Viens me voir si t'as besoin de lunettes. D'accord, petit bonhomme. Moi j'aime quand ça brille. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et n'hésitez pas à regarder les autres épisodes si vous ne les avez pas vus. Et à venir voir la suite au prochain épisode. Salut tout le monde. Salut.